stop aux voitures de type 4x4 et SUV. Ces véhicules sont d'une part très polluants et d'autre part dangereux pour la sécurité. Ce message n'est pas le mien, mais bien celui de différents acteurs, des membres d'associations environnementales, des parents de victimes aussi. Sophie Mergen les a rencontrés. Ils participent ensemble à un grand colloque. Les études semblent unanimes. Plus un véhicule est lourd et puissant, plus la fréquence et la gravité des accidents est élevée. Il y a 24 ans, Francis Herbert a perdu sa fille dans un accident de la route. Aujourd'hui, il se bat pour conscientiser automobilistes et politiques. Je regrette de le dire, parce que cela veut dire qu'il faut perdre un enfant en tant que victime de la route pour être sensibilisé. J'espère bien que ce n'est pas le cas. Et j'espère bien qu'il n'y a pas que les parents qui ont perdu un enfant dans la circulation qui vont se battre pour qu'il y ait davantage de sécurité routière. Ce matin, un parterre d'acteurs était rassemblé pour la même cause. Associations de victimes de la route, mais aussi organisations environnementales. Aujourd'hui, en Belgique, un véhicule sur quatre est un SUV, un véhicule de type 4x4. Ces voitures seraient non seulement néfastes en matière de sécurité, mais aussi pour l'environnement. Si on compare par exemple deux véhicules d'un même type, d'une même marque, un véhicule qui fait 60 kW de puissance, un véhicule qui fait 220 kW de puissance, le deuxième va consommer 50% de carburant de plus en milieu urbain que le premier. On crée des véhicules qui ne sont pas nécessaires, dont un certain nombre de caractéristiques techniques sont totalement plus, sauf à reconnaître qu'avec ces véhicules, on enfreindra la loi. L'objectif est clair, limiter les véhicules 4x4 et promouvoir une voiture plus légère, moins dangereuse, la LISACAR. On a un but, un objectif jusqu'en 2030, qui est la LISACAR, donc la voiture légère et sûre, sera une norme en Europe. Et comme c'est dit, c'est un combat très dur à mener, mais on y va. L'appel est donc lancé, mais l'Union européenne devra concilier ses revendications avec celles de l'industrie automobile.